الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم فصل في التواضع من شعب الإيمان الشعبة السابعة والخمسون مثلنا في التواضع sujet de عن الموضوع et le fait de délaisser l'orgueil dans la, la 57e branche de la foi, qui est le bon comportement. C'est un grand imam de Parmi Salaf qui s'appelle Yahya, fils de Mu'az. Il a des paroles qui méritent qu'on l'écrit qu qu en or, et on les met dans les grandes euh, places euh, vraiment c'est un homme très pieux très saint et c'est lui qui a dit à tawhid en deux mots tout ce que tu peux imaginer Allah est différent de cela at-tawhid kullu ma yatassawwaru fi al-awham fa-llahu bi et c'est lui qui a dit al-aqil man taraka ad-dunya qabla an tatrukahu wa man manna qablahu qabruhu qabla an il a dit la, la personne sage, c'est celui qui délaisse le bas monde avant que le bas monde le délaisse, c'est celui qui construit sa tombe avant d'y être celui qui cherche l'agrément de son créateur avant d'être questionné par lui. Bref Il a dit la modestie, il est, il est très bien. Chez tout le monde, la modestie, c'est une chose qui est beau, mais il est plus beau chez les riches. Tu le vois très beau. Un homme riche et modeste, tu le trouves, tu vois ça, c'est, il a plus de beauté là. Well, kibro يعني قبيح. L'orgueil est quelque chose de très moche, de très mauvais, mais il est chez les pauvres plus moche. بوفري ايلي فاذا هو عند عند الفقير اقبح طيب وعن روى البيهقي عن سفيان قال قال رجل لمالك ابن مغول اتق الله فوطع خده على الارض ها كلكان Et il a dit à, à, à Malik, qui s'appelle Malik, fils de Maroul, il a dit, Crains Dieu. Alors il a mis le, le joug sur le sol de la terre. C'est comme il lui dit, ah, Bien sûr, mais bien sûr, je crains Dieu et il a mis le joug par terre. Euh, قال كنت أذاكر يوماً مع الحسن التواضع، ألوغ إلى دي جيتي دو لا الحسن، فالتفت إلينا شيخ، أنوم إنو زاروكاردي، أن شيخ إن انو ان شيخ انو فقال أتدرون ما التواضع؟ أن تخرج من بيتك حين تخرج فلا تلقى مسلماً إلا رأيت أن له عليك فضل. ألوغ أن شيخ إلوغادي، فو فولي سابوار سيكوا التواضع؟ À chaque fois que tu vois une personne, tu dis, ah, il a un mérite sur moi. C'est comme tu dis, il a, elle est meilleur que moi. Il a dit, c'est ça, tawadu. À chaque fois que tu vois une personne, tu, 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 tu regardes et tu observes qu'il a du mérite sur toi ou qu'il est meilleur que toi. رضي الله عنه قال: الناس قدرًا من لا يرى قدره en rapport de l'imam chef et il a dit, parmi les gens les plus hauts par leur degré, celui qui ne voit pas qu'il a un degré ou il a un mérite. Et il a dit, celui qui a beaucoup de mérite chez les gens, celui qui a le plus de mérite, celui qui ne voit pas ce mérite. Il est envers lui-même, il est euh, quelqu'un qui, qui, qui se reproche, qui se voit derrière. qui se met derrière, comme ça faut être. Hey, وعن الإمام أبو الطيب رحمه الله قال: من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه. هذه مسألة كثير مهمة. من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه. تصدر. lui qui s'est mis avant, mis, celui qui s'est mis avant, y a comme celui qui se met, voilà, je suis l'enseignant de ce groupe et je suis. Celui qui s'est mis à l'avance, avant sa, euh, avant qu'il mérite, avant qu'il soit à la hauteur, avant la, la saison, comme on dit, avant le temps. Alors il s'est mis pour l'humiliation. ايل سيمي دون من تصدر قبل اوانه فقد تصدى لهوانه ليش انت يعني العلماء والفقهاء يقدمون انسان يقدمونه وبعد يمتحنونه د الاسلام يل مت quelqu'un devant lorsqu'ils l'ont examiné lorsqu ils ابن تيمية تصدر قبل أوانه فهذا الرجل إيش بعدين صار يحتقر الكبار صحابة وتابعين وأتباع تابعين فتعرض للهوان c'est quelqu'un qui s'est mis on l'a mis avant en, en, devant en pensant du bien parce que son père est mort on a dit bon on va lui donner le poste de son père en parlant de ابن Taymiyyah المجسم، alors lui il est allé loin dans le fait de Dénigrer les grands savants, même des compagnons, même des compagnons du prophète Mohammed. Après, regarde comment les savants l'ont traité menteur, ils l'ont traité moque, mécrayant. Et puis, il est terminé dans la mort dans la prison. Et il est mort dans la prison. dit, « ibn Harb, الذي يرضى ان يكون ذنب الله تعالى لا يرضى الا ان يجعله راس euh, شعيب بن حرب هذا الرجل شعيب بن حرب c'est parmi les grands hommes شعيب بن حرب قدي سلبي كنا كي اكسبتي دتر فيغ لا فان كوم لا ها الله تعالى يلمه كم الله تعالى يلمه اون

ولا تموتن الا وانتم مسلمون. الايه signifie, أو oh, craignez votre seigneur d'une manière parfaite et ne étant des la mort. ولا تموتن الا وانتم مسلمون معناه اثبتوا على الاسلام الى الممات. وفي الحديث رواه البخاري. من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر هنا فلتأته منيته ما هو الأمر ليس بيدك معناه الثبات على الإيمان ومن أراد الثبات على الإيمان خاف من المعاصي لأن المعاصي لها شؤم فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس بما يحب أن يؤتى إليه بخاري أغابوختيك سيدنا محمد Sallallahu Alaihi Wasallam a dit, c'est lui qui aime être écarté du feu de Jahannam et qu'il soit dans le paradis, qu'il reste sur l'islam jusqu'à que la mort arrive, c'est-à-dire que la mort lui arrive en étant musulman, ça veut dire qu'il patiente et résiste et maintient l'islam jusqu'à la mort, qu'il se comporte avec les gens comme il aime que les gens se comportent avec lui. Moi, j'aime que si je viens, que vous souriez, que vous répondez à mon salam, que vous prenez soin de moi, que vous dites comment ça va, on te, tu nous manques. Alors, si j'aime ça, alors, lorsque les gens, ils viennent, je souris, je leur réponds à leur salam, je leur demande comment vous êtes-vous, assez-vous, on prend un café, on prend un thé, tu lui laisses de blagues euh, légers tu plaisantes avec lui un peu, s'il est un peu fatigué, il est soulagé, dites voilà, tu viens à la mosquée, tu pries, jama tu attends une leçon, tu vois un visage souriant, on t'invite pour un café, et des fois, ils te disent, viens, on va porter quelque chose de Ta'ala. Alors, mais, mais tout ça, c'est du bien, mais tout ça, c'est du bien. Alors, tu as, tu as vu le visage de couroyant, ou ne sais pas le euh, tu sais pas lequel de tes frères est un pieux. et Et celui-là. Il te salue. Il, invo, il invoque Dieu pour toi. Il est content de te voir. Et, et, et tu fais la jamaa. Tu, tu essayes de nettoyer. Tu vois un bout de papier, tu enlèves. Euh, il y a une chaise qui n'est pas à sa place, tu le remets à sa place. La bibliothèque, il n'est pas en ordre, tu le fais. Il y a un peu de poussière, tu nettoies. Mais c'est ça la modestie que tu travailles, que tu fais. Voilà, tu agis, je viens, j'apprends la religion, je prie, je je fais tel travail, je salue les frères. Ils font des invocations pour moi, je fais des invocations pour eux. On travaille les et voilà. سي كوم فو هيك مطلوب أن تكون الأيام تمضي ما بين علم، صلاة جماعة، وتبش في وجوه إخوانك، وتنظف تنظف هنا، وتساعد هناك، وتحاول أن تخدم الإسلام والمسلمين، وإلا لشو الأيام بتروح بعدين إذا بس، إذا بس بس أنت بتجمع مال. إيه في ناس طيب يا ضيعان العمر كل بيرت كل بيرت دو دو لا في سي اون باس كو دو تون بور غانيي لارجون نسال الله العفو والعافيه وحسن الختام والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا امين فيك يا حاج امين يا حاج